suis le vainqueur, je t'ordonne de partir. Voilà, donc en fait, juste après le combat contre Kraven, le premier combat avec Kraven, on arrive dans la salle avec l'ascenseur. Qui est là. Voilà. Donc la salle d'ascenseur. Et normalement le principe c'est de faire monter l'ascenseur jusqu'en haut en actionnant les 4 boutons qui sont à chaque niveau de la pièce. Donc voilà, donc c'est un peu long parce que du coup il y a des cinématiques à chaque fois. Donc en plus de devoir appuyer sur le bouton plusieurs fois, il faut en plus parfois affronter des ennemis. Ce qui du coup rend le truc encore un peu plus long. Donc même si sachant qu'on peut arriver à soigner les boutons sans savoir à tuer les ennemis, c'est ce que je faisais avant. Mais alors le plus simple en fait c'est que... Donc là je vous ai montré juste deux boutons mais on s'en fout. Hein. Donc là en fait depuis le plus bas niveau, hein, dès que vous arrivez dans la salle, donc on arrive par là, dès que vous arrivez en fait vous faites que des double jumps en fait pour remonter le plus haut possible. Vous montez, vous montez, vous montez et vous montez le plus tout en haut. Donc vous allez monter jusqu'au dernier étage qui est donc qui est celui-là. Donc là c'est en toute logique en fait là c'est le dernier bouton en fait à actionner. Et c'est là qu'il y a la petite astuce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord tuer les ennemis pour ne pas être embêté. Donc vous êtes face au bouton et là vous allez prendre la poutre sur la droite et vous allez vous caler contre le mur au maximum. Vous faites un double saut, voilà, et vous faites double saut, double saut, double saut, et vous allez sur la plateforme du haut pour combattre Kraven. Et de là, en fait, vous avez plus qu'à battre Kraven comme vous le feriez d'habitude. Et finir le jeu, tout simplement. Bon, là, par contre, il veut pas se faire taper, c'est enfoiré. Toujours penser à faire le petit double saut juste à la fin pour être pile en face du perso et hop, voilà. Voilà, donc Kraven est dead.